Marc Brice, tu es toujours au Cameroun? Tu n'es pas encore rentré en Belgique? Non, mes frères, il est temps que tu te rendes compte que tu dois démissionner, partir, rentrer en Belgique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ambassade de la Belgique au Cameroun? Il faut conseiller votre concitoyen. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait hier devant une icône qui est le président de la Fédération camerounaise de football en exercice? Le meilleur Africain de tous les temps. Il a tenu tête à son patron, le président de la fédération. Est-ce que l'ambassade de la Belgique au Cameroun est au courant de la situation? Non, mais Marc Brice, à cette allure, tu devrais démissionner. Tu dois démissionner. Tu ne dois pas te mêler des histoires qui concernent le président de la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Tu n'es qu'un simple entraîneur. Dès qu'ils auront fini de faire les vouva-vouva, tu vas commencer à travailler. Mais pendant qu'ils sont en train de se bagarrer, tu restes de côté. Pendant qu'ils sont en train de se chamailler, tu restes de côté. Tu ne peux pas poser la question à un président de fédération que depuis 2 mois que je suis où? Je suis là, tu étais où? Non, mes frères, où on va là? C'est-à-dire que vous vous rendez compte que voilà un entraîneur qui a entendu les gens lui conseiller, le conseiller dire, là où tu pars là, il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Et il a pété un câble et il dit, depuis 2 mois, tu es où? Il demande à son boss, il dit à son boss que ça fait, tu as été entraîneur simplement 3 semaines. Non, mais monsieur Marc Brice, est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de dire? Normalement, d'autres personnes sont en train de demander au président de la Fédération camerounaise de football de démissionner pour sauver son honneur. Parce qu'il est plus grand que ce qui est en train de se passer. Parce que son autorité est plus grande que ce qui est en train de se passer. Parce que l'estime que certaines personnes ont pour lui est plus grande que ce qui est en train de se passer. Plusieurs personnes sont en train de lui demander de démissionner et de leur laisser les choses-là. Mais sauf qu'il y a un honneur à préserver. Samuel Eto'o doit laver son honneur, il doit préserver son honneur. Si dans vos vies, dans vos familles, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous laissez bafouer votre honneur, c'est pas tout le monde qui se laisse bafouer un honneur. Qu'est-ce qu'on appelle la réputation, l'e-reputation, la réputation? C'est très important. Nous sommes dans un pays où certaines personnes font ce qu'ils veulent, vous comprenez? Et Samuel Eto'o est en train de bagarrer pour ça. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas être en train de combattre pour le changement et être en train de dire à Samuel Eto'o d'arrêter ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'en fait, Samuel Eto'o est en train de demander de respecter les textes et rien que les textes. Tous les communiqués que Samuel Eto'o sort, vous voyez toujours, vu les textes, vu la loi, vu la convention, vu. Il cite toujours et les articles sont là. Il tient compte des textes, des lois et règlements en vigueur. Toujours. Il n'a jamais pris une décision comme ça qui venait de lui-même. C'est selon les textes. C'est selon les textes. C'est-à-dire qu'il respecte les textes. Vous avez là un entraîneur qui est toujours là. En temps normal, un entraîneur qui n'a pas faim aurait démissionné. Vous avez un entraîneur qui est nul, qui est bête en plus. Non, c'est pas sérieux. Parce que si cet entraîneur, pendant qu'il est là, je ne sais pas si pendant qu'il est là, son salaire est toujours en train de passer. Vous avez là un entraîneur qui dit avoir signé une lettre d'engagement avec le ministère des Sports. Parce que ce n'est pas un contrat, une lettre d'engagement. C'est lorsque la Fédération camerounaise de football a posé sa signature que ça devient un contrat. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Donc vous avez là un entraîneur qui a signé une lettre d'engagement avec le ministère des Sports pour entretenir la sélection nationale A' du Cameroun. Ça fait peut-être 2 mois qu'il est là. Peut-être, supposons qu'il a signé un contrat de 4 millions. C'est un exemple, un contrat de 4 millions. Vous avez là un entraîneur, depuis qu'il est arrivé dans un pays, il y a un problème entre la fédération et le ministère des Sports. Il est toujours là en place. Il préfère se mettre du parti de celui qui est en faute, donc celui qui met sa bouche dans les histoires qui ne le concernent pas. Parce que la Fédération camerounaise de football est indépendante. L'État du Cameroun ne doit pas s'ingérer dans les histoires de la Fédération camerounaise de football. Ce sont les textes qui le disent, ce n'est pas moi qui le dis. Donc le coach lui-même, en connaissance de cause, devrait d'abord se plier, se rester en arrière. Se poser la question, quelle est la posture que je dois adopter? Et la posture qu'il devrait adopter, c'est une posture neutre. Ce qui s'est passé hier à la Fédération camerounaise de football, vous voyez donc un coach aux ordres. Nous ne voulons pas un coach aux ordres. Un coach qui dit que vous avez entendu le professeur Cyril Tolodi, allons-y. Il fait le doigt comme ça que allons-y.
Le gars s'est tourné, il est parti. Vous vous rendez compte? Un coach, un watt en plus, hein? Un watt encore. C'est-à-dire qu'un blanc qui vient dans un pays étranger, il est sous les ordres des gens, pourtant il est censé être sélectionneur. Il est censé ne pas écouter la bouche des... C'est-à-dire que pour lui, c'est simplement entraîner et c'est tout. Sélectionner et c'est tout. Il ne doit pas mettre sa bouche dans les histoires politiques d'un pays, d'une nation. La FIFA est en train de nous observer, le monde est en train de nous observer. Est-ce que vous vous rendez compte en fait de la situation? Marc-Brice, est-ce que tu te rends compte de la situation? Est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer dans ce pays? Comment est-ce que tu peux être là, dans un pays, on te dit, viens ici, comme un sale chien, toi aussi bête, toi tu viens, tu pars. Tu es venu pour une séance de travail, mon frère. Tu es venu pour une séance de travail. Et lorsqu'on arrive, non mais les gars, vous vous rendez compte un peu de la bêtise de ce monsieur? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes dans un territoire, je prends un exemple, tu es dans le territoire camerounais. Tu es là en tant qu'entraîneur. Le président de la fédération de football de cette nation te convoque à une séance, à une réunion de travail. Toi, tu viens avec quelqu'un. Tu n'informes pas au président de la fédération de camerounais de football que tu ne seras pas seul. Parce que si tu dis que tu seras avec quelqu'un, il faut que tu annonces que tu seras avec telle personne. Tu dis que tu viens, tu dis, ok, tu prends la main de quelqu'un, tu viens avec lui. Arrivé donc à la fédération, on se rend compte que tu as arrêté la main de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton staff. Parce que si toi, le coach, tu venais avec les membres de ton staff, on vous aurait laissé entrer. Vous êtes même entré. Mais maintenant, tu vas prendre un intrus. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intrus dans la convocation, une séance de travail qui concerne la préparation même du match qui est en train de se faire. Tu viens avec un intrus. Ton président de fédération te dit, frère, celui que tu es venu avec là, moi je ne le connais pas. Il rentre. Mais toi, le coach, qui est censé suivre les instructions de ta fédération, tu écoutes plutôt la bouche de celui qui a dit, gars, si on dit que je n'entre pas, non, bête à toi et moi, pas. Toi aussi, tu portes tes pieds, tu pars. Mais c'est un bête, tu es bête. Non, mais il faut que l'ambassade de, n'est-ce pas, de la Belgique informe à son concitoyen que ce n'est pas comme ça qu'il devrait se prendre. Il ne devrait pas prendre position aussi clairement comme ça. C'est-à-dire que vous sentez carrément un coach que lors du match entre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Cameroun-Belgique, au ministère ou bien à la présidente de la République, il reçoit un coup de fil, il dit, oh, André Onana doit jouer. Ça, c'est un exemple. André Onana doit jouer. Ou bien... Fabrice, on doit jouer, obligé. Charles Castelletto va jouer, obligé. On l'appelle au téléphone. On lui dit, Rigobert Sombanak va jouer, c'est obligé. On lui dit, Brice va jouer, c'est obligé. Le gars s'exécute aussi bêtement. Parce qu'en fait, vous voyez comment on emballe quelqu'un dans quelque chose. Là, vous voyez, le ministère des Sports a déjà mis Marc-Brice dans une boule comme ça. Et Marc-Brice ne peut plus rien. C'est-à-dire que même si le président de la République arrange ce problème, Marc-Brice ne pourra plus dire non aux ordres du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il ne pourra plus. Parce qu'il a commencé à suivre les ordres de ces gens. Et ce n'est pas de ce coach que nous voulons. Nous voulons un coach indépendant, un coach qui est capable de discerner le bien et le mal. Un coach qui est capable de ne pas prendre position dans une situation où il n'aime... Merde, frère, est-ce que vous vous rendez compte? Mais quand on aime Samuel ou pas, nous devons pouvoir savoir qu'il y a les textes à respecter. Tenons uniquement les textes, frère. Simplement les textes. C'est tout. Les textes, c'est rien que les textes. Donc, chers Camerounais, il est temps que nous nous mettons du côté de la vérité, du respect des textes et du respect des lois de la République. C'est simplement ça qui fait avancer un état de droit. Le ministère des Sports doit pouvoir trouver un terrain d'entente avec la Fédération Camerounaise de football. Parce qu'après tout, le ministère des Sports qui est au-dessus de la Fédération Camerounaise de football, c'est l'État du Cameroun. Et le président de la Fédération Camerounaise de football, lui également, doit essayer de calmer ses esprits et gérer la situation de façon posée pour qu'il y ait une sérénité, n'est-ce pas, au sein de cette fédération et au sein de la sélection nationale.
Est-ce que vous vous rendez compte, en fait? Est-ce que vous vous rendez compte? S'il vous plaît, essayons d'arranger les problèmes. Nous, les Camerounais, nous sommes épris de paix. Nous ne voulons pas du désordre dans notre fédération. Nous ne voulons pas que le football vienne diviser les Camerounais. Parce que plus Samuel Eto'o est combattu, plus nous constatons que l'opinion publique ne fait que l'aimer. Il faut simplement voir les réactions sur les réseaux sociaux. On fait comment pour savoir? Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont puissants aujourd'hui. Vous avez la majorité des acteurs du cinéma camerounais qui soutiennent Samuel Eto'o. Vous avez la majorité des sportifs camerounais qui soutiennent Samuel Eto'o. Vous avez la majorité des jeunes camerounais qui soutiennent Samuel Eto'o. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je suis sûr que ce qui donne encore la force au président de la Fédération Camerounaise de football, c'est parce que l'opinion publique le soutient. L'opinion publique le soutient. Si l'opinion publique n'était pas avec le président Samuel Eto'o, je pense qu'il aurait peut-être démissionné. Cher Camerounais, si vous trouvez que... Si vous voulez que Samuel Eto'o démissionne, il faut donc retirer votre soutien que vous avez envers lui. Parce que c'est parce que l'opinion publique continue à le soutenir, qu'il continue à avoir la force pour faire ce qu'il est en train de faire. Et en même temps, c'est un bon combat. C'est un très bon combat, je vous assure. C'est un très très bon combat que Samuel Eto'o est en train de faire. Donc soutenons, n'est-ce pas, la légalité dans ce pays. Et laissons le désordre à ceux qui veulent faire le désordre. Samuel Eto'o a besoin de soutien. Samuel Eto'o a besoin que l'État du Cameroun l'accompagne dans le respect des règles, des textes et tout ça. Parce qu'il y a longtemps, je suis sûr qu'il y a les anciens membres de la FECAFOOT qui sont en train de soutenir Samuel Eto'o. Parce qu'il y a longtemps, ils auraient souhaité que cette fédération soit comme ça. Que l'État ne s'ingère plus dans les histoires de la fédération. C'est de ça qu'il est question. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et à très bientôt.